On va aller trouver Pixlip. Pixlip. Route de l'ascension, zone découverte. Je trouve mon arme est un petit peu trop forte. Je one-shot tout pas mal. Un petit pas. J'ai déjà oublié qui tu es. Vous plaît? Le shotgun, je vais l'échanger pour la mitraillette. J'ai trouvé une mitraillette Jacob à quelque part, je suis pas mal sûr. Ben c'est bon. Pour une bobette. Oh shit, ok, il est là. Les petites fesses se sentent enfin rassurées. Cette ordure viendra plus jamais me tirer un de mes super slips red bar, tu peux me croire. Pandore est un peu plus sûr qu'hier, grâce à toi, chasseur de l'arche. Soyez voyous, les rapaces de l'arche sont le dessus. Satané, Tartarie. Tu es rentré dans le mur, déjà? Que c'est fort. J'aurai ma place dans la grande arme. C'est normal, c'est aussi puissant que ça. C'est toi qui as payé. Go! Je te frappe, tu touches le sol. La tombe sera ta récompense. C'est vraiment tout ce que tu sais faire? Il y aura un mode difficile dans ce jeu-là. Je sais qu'il faut que tu le passes une fois, pour ça c'est un mode difficile, mais vas-y. Tu peux le faire première shot sans trop mourir, je pense. Qu'est-ce que j'ai pogné? Qu'est-ce que j'ai pogné? Mitraillette dalle. Quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Ils se sont donné du mal. S'il n'y a rien ici, là. Si vous êtes, tu peux escalader cette place-là. Je suis curieux.
pas qu'on pourrait pas rien faire. Il y a peut-être à rien aussi. Comme une bâtisse là, mais... Non, je pense qu'il n'y a rien. Pas le choix d'aller là. On va aller là. Jesus. C'est moins gros que l'autre place, mais... C'est quoi qui est ça? On a une cachette de typhon. Une chasse légendaire. Terrasse de légendaire se craque. Claptrap décédé. Enregistrement de typhon, il y en a trois encore. Radio écarlate et voler la cible. Récupérer le blindage lourd du baroudeur. Pas mal de choses à trouver. Je peux plein poule. Il y a bien une bébite. Attendez une seconde. J'ai encore un problème d'insectes, là. Non, je l'ai eu. Ok. Let's go. Achetez donc un mode d'amour pour les mercenaires raffinés. Allez, bon courage. Qu'est-ce qu'il y a en haut de ça? Peu d'argent. Voir ce qu'il y a par là-bas. Absolument. Hyperion, Mo,
Mieux qu'à rien. Cette abomination, elle est connue sous le nom de Scrack. Allez corriger cette erreur de mère nature. Où ça? Oh shit, t'as compris. C'est pas la bébête que Z a faite dans le 2, ça? Éteins mon esti. Convenable pour un scrack, c'est sur mon mur des monstruosités. Pas aussi tough que l'autre, hein? Je veux dire, j'ai vu plus pire. Zone life fait. Moi, je me promène à pied, je pense. Ça va aller bien aimer demain. Que tu rentres à mon char, ressortir, rentrer à mon char. Tu auras ta soupe directement dans ton crâne. Quelqu'un d'autre veut tenter sa chance? Eclipso adore attirer toute l'attention, pas vrai? Alors je propose qu'on leur coupe le sifflet en retournant leur tour de communication contre eux. Calme, à l'arrêt. Niveau 9. Ça va bien, on monte de niveau. Les tirs de l'arme infligent des dégâts bonus en fonction de la distance. Chers amis, il semblerait qu'un nouveau rapace ait fait son entrée en commençant par massacrer sauvagement notre frère. Le saint influenceur. Son crime ne restera pas impuni. Vous savez quoi? Il parlait de moi, là. Oh, tu m'agnaises, il y a un autre insecte. C'est des genres de petites crises de mouches de marde. Je sais pas pourquoi. Vous avez quelqu'un qui, quand j'ouvre ma fenêtre, la nuit, ils rentrent, eux autres. Attends juste de la voir se poser sur le bord, là. Ou sur le top. Ça peut marcher aussi.
Tiens, on va le laisser. Ça gosse trop, par exemple, le chat va bouffer. Hein, Frimo, si tu vas bouffer, c'est des protéines. Protein. Il faut aller dans l'antenne. C'est-à-dire qu'il faut que je grimpe ça. Et la famille vous accueillera à couvert. Vous n'aurez plus jamais à être seul. Vous ne serez plus jamais triste ou désespéré. Donnez un sens à votre vie. Rejoignez les CTA. Chère famille, il semblerait qu'un nouveau rapace ait été centré en commençant par massacrer sauvagement notre frère. Cible sans influenceur. Je vais prendre tout ce qui est bleu ou plus pour les vendre. Pas ouf. Je vais essayer ça. Ah, le son apaisant d'un temps mort. Bravo, trésor. Plus qu'à régaler les oreilles de nos camarades. Yeah. Le diable sorcière. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mûche de typhon et ça. Pandore est un endroit étrange et rude. J'ai parfois l'impression que cette planète essaie de nous faire valser, comme un skag plein de puces. Mais je vais vous dire une chose. Si je trouve le berceau iridien, j'aurai enfin des réponses dignes de ce nom. Et les aliens que je leur dirai. Qu'est-ce qu'il y a de si génial sur Pandore ? Mais pourquoi Pandore, tout bout de champ ? Ok, on va explorer cette grosse masse-là. Ça, je veux dire, je peux pas passer avec mon char. On va aller voir. Oh! Je pense que c'est le véhicule, faut que je vole. Kikou, mon château! Pépite du crachat.
Ah, j'ai deux affaires. Jacob bleu. Ça, je la vole, ça. Ramène-la-moi jusqu'à l'autoloc pour que je puisse la scanner. Ben, je le... Ouais, je vais... Comment tu veux short, ça? Voilà. Waouh, génial! T'as trouvé un super blindage de baroudeur! Oublie pas de l'essayer quand tu repasseras à un autoloc. J'ai un peu plus de défense avec ça, au moins. Une tempête de chaos. Non, peut-être pas. Ok, je me suis trompé.
Je vois tout. C'est bizarre. C'est une side quest plus tard, je sais pas. C'est ça, toi. On va le prendre quand même. Thank you.
a trouvé un deuxième siphon. Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Je les ai enterrés dans leur ferme à caca. Peu de temps après, je me suis dit, qu'est-ce que je fous encore sur Pandore? Faut que je me barre de ce trou paumé. Alors, je me suis faufilé à bord d'un vaisseau marchand, direction Prométhée. Heureusement que j'étais tout petit à l'époque, personne n'a rien vu. Sur Pandore, personne n'aurait cru que je deviendrais quelqu'un, et surtout pas un explorateur légendaire. Mais, comme je dis toujours, les héros peuvent prendre bien des formes. Je commence par là. Ah, le troisième il est là, ok. Quand me donne habituellement de l'urticaire, je partagerai volontiers mon laboratoire secret avec lui. Mais si vous le répétez à quiconque, je nierai tout et je vous empoisonnerai à petit feu. Le spectacle vous plaît ? Je peux te faire mieux que ça ! Il est où le truc de Tifa ? Ok, il y a une zone qu'on n'a pas encore été, c'est ça ? Il est que je trouve un moyen d'aller là. Pas mal toutes. À part peut-être 7. On peut escalader ça, hein. Je dirais.
Salut, Erard Akatutski. Comment t'as-tu? Ok, faut que j'aille là. Impression que la clap a trouvé puis la cache. Clap trap peut être partout, là. Il peut être ici, il peut être dans le fond de la map. Tu es dans sa gueule. Quelqu'un peut me dire, il est où le flag? Trouver l'affiche, il y a une affiche à quelque part? C'est moi qui le vois pas là. Ouais, c'est... Ah, ça c'est un avis de recherche, cas de la gueule. On voit bien la main ensanglantée. Je me suis mis à porter ça pendant la deuxième guerre des clans. Non, la troisième. Oui, parce que la deuxième, c'est la fois où j'ai déclaré la guerre à une montagne. Et devine qui est encore debout pour en parler? Ah, au chat des montagnes! Ok. Fidèle Hyperion Red Bar X2000 avec fermeture en mercure et soutien ajusté. Ouais, le meilleur slip de tout l'univers. C'est le seul truc bien que j'ai gardé de chez Hyperion. Soutien ajusté? Pas mal. Un petit secret qui va rester entre nous. C'est la source de ma puissance. Chut.
C'est cela, oui. Quelque chose ça dans le... Je me souviens du jour où j'ai pris cette photo. C'est fou les progrès qu'on a fait depuis les selfies de bandits. Parce qu'à l'époque de mon premier clan, si tu voulais une image de toi, il fallait te tartiner la gueule de sang et foutre un coup de poule dans un rocher. Ok, on a de belles images de mon corps viril de bandit. Les DDA ont une imprimante 3D près d'ici. C'est là qu'ils produisent leurs figurines. Calme les avis de recherche dans l'imprimante pour qu'on puisse fabriquer des versions de moi à la place! Une caverne, ça? Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant dans ça. Oh non, c'est une autre zone que je peux pas aller? Ou. Puis-je? Oh. On va aller voir ça plus tard. Ok. Connecté, mais je sais pas trop c'est quoi. Qui se prête pour qui, ces jumeaux Calypso des dieux? Moi, on m'a dit un jour que mes pecs étaient divins. Et franchement, c'est presque pareil. Wow. Je sais pas s'il y avait un ennemi sur ça là, mais... Ah, il est là. Chassez-le. C'est un peu pété, ce gun là, honnêtement. Là. Ha ha.
excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça donne? T'as l'air musclé, hein? Presque autant que moi. Presque. Ouais, c'est bon, je sais. Bon, maintenant, on va remplacer les figurines pourries des DDA par les miennes et ma perfection, comme tu l'as si bien dit. Ça sert à quoi si je les... C'est... On les a toutes tuées. Peut-être que je les pogne avant ou... Ok, ouais, faut que je tire dessus. Adieu les DDA! Et bonjour, Faune, glorieux héros! Ouais, admirez-moi! J'ai mes propres figurines et j'ai rejoint le meilleur clan de toute la planète! Vive les pillards égarlates! Moi, j'adore cette journée! T'en vos gueules, les Calypso! Et ça, c'est ma pomme! Tu sais ce que j'aime chez les pillards? Je vais passer par ici, puis... Carla, il pète toutes les dents, tout en protégeant les faibles. Et ça, c'est le genre d'état d'esprit qui me plaît! Rien d'intéressant, ça, ok. Attends, je pense que je peux monter sur le truck, peut-être. On va prendre l'escalier, ça va être bien moins. Étrange. Je reviendrai plus tard. J'entends quelque chose bouger. Exploser la gueule des DDA! Enfin, en tout cas, merci du coup de main. Hé, tu repasses me voir quand tu voudras, hein? Par là avant, ok, faut sortir de ça. Dans celle-là, je pense qu'on peut se téléporter comme qu'on veut. Je suis pas sûr. Là, j'éclaire. Genre, je peux-tu, genre, juste me téléporter? Attends. Vue orbitale, c'est ça. On peut le faire, ça, ok. Parfait. On va sauver du temps. Merci, chasseur de l'arche. T'as réalisé mon rêve. Ah, franchement, tout le monde devrait avoir sa propre figurine en or, non, tu crois pas? Entre nous, on n'a peut-être pas détruit les DDA aujourd'hui, mais quand ils vont voir ce qu'on vient de faire, ils vont comprendre qui c'est les boss. Ah, ça ouais! T'entends ça, Tyrine? T'as plus qu'à te convertir au culte de mes abdos! Le culte de Faune! Ok. Il m'a donné quoi? Il m'a donné Golden Touch. 5% de votre santé max par seconde tant que votre bouclier est plein, plus 10% de vitesse de déplacement quand votre bouclier est vide. Si
meilleur? Je pense pas que c'est meilleur, non. Un prix honnête pour avoir la paix. J'avais un truc comme ça à une époque. Tu reviendras. Ok, ça c'est fait. En gros, je vais terminer ça en ouvrant la cache. Puis on verra ce qui se passe au prochain épisode. On va... On a quasiment fini le niveau, je pense. Je suis chaque jour un peu plus forte. Niveau 10. Ça vaut la peine de... Oh. C'est pas des affaires que j'aime. C'est pas des armes que j'aime, mais si je peux pogner des affaires Jacob mauve de temps en temps. Vladov. Encore le claptrap qu'on n'a pas trouvé. Bienvenue au Saint-Centre de diffusion. Notre diffusion quotidienne va bientôt commencer avec une invitée spéciale. Faites vite vos offrandes pour rejoindre notre chat d'élite de niveau Iridium et profiter de toutes les coulisses sanglantes du chaos. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, lâchez tous votre plus beau râle pour notre reine divine, notre sœur à tous, Tyrene Calypso! Salut, salut, mes petits bandits chéris! Ici la reine divine Tyrene en direct du Saint-Centre. Nous, on stream, vous criez, et on se prépare tous à entrer dans la Grande Arche. On accueille aujourd'hui des nouveaux convertis, et devinez quoi? Ils nous apportent la carte sacrée des Arches! Si ça leur apporte pas une place spéciale dans la famille, je mange mon chapeau. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire une chose. Vous m'avez tous accepté, alors que je ne suis même pas bandit de naissance. Mes premiers mots n'ont pas été soif de sang ou thorax écartelé. Mais aujourd'hui, on forme tous une famille. Et la famille, c'est pour la vie. Et tout de suite, la cérémonie après quelques dédicaces. Restez sur l'écrou. D'accord. Ok. Scabrazor 55, mon petit chéri. On a bien reçu tes t-shirts avec Troy et on t'enverra une photo de nous avec pendant le stream dès qu'on aura réussi à les tirer du ça, je pense. Ah, il est là.
Tiens. M'étonne qu'il n'y a rien dit, Claptrap. Ça, c'est fait, on a 100%. Parfait. J'ai pas rien en social. Non, ok. Donc, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Ou pour cette nuit. Pour ce matin. Déjà quoi, à 3h38 du matin. On va arrêter ça là. Demain, ça va être d'autres choses. Soirée Smite, ça, c'est sûr. Peut-être dans la journée, on va jouer à d'autres choses aussi pendant la journée. Donc, je vous dis merci d'avoir été là tout le monde, pika pika à tous, et à la prochaine.